aujourd'hui les mecs, on va faire quelque chose de vraiment historique. Roulement de tambour, on va laver des voitures. C'est explosé. Mais non, parce que les mecs, dans cette vidéo, il va y avoir un secret. Tu sais quoi? Tu t'abonnes, tu likes, c'est parti. Shawen, la prochaine fois que tu dis que mon concept il pue la... Je te mets une claque. Quelle claque, Lined? C'est quoi ce truc là? On est où déjà là? C'est vide. Bah c'est simple déjà. Pour commencer le commencement, il nous faut des bagnoles. Parce qu'en fait, pour laver des voitures, il nous faut des bagnoles. Je pense que je t'apprends rien. Donc là, c'est parti, allez, tu me suis. En fait, t'es comme mon stagiaire. En fait, t'es en troisième. Ouais. On va dire que t'es en troisième, ok? Donc j'observe, c'est tout. T'observes et tu fais. Donc tu sais quoi, tu viens de... Voilà, tu me rejoins. En fait, il faut qu'on commence à gagner de l'oseille. Malheureusement, pour gagner de l'oseille, qu'est-ce qu'on fait, Shawen? On va voir si t'es observateur. Bah, il faut faire de l'investissement dans l'entrée là. Oui, mais comment on achète l'entrée? Parce que malheureusement, voilà, ça me refuse en boîte. Là, ça veut pas. Bon, c'est simple. On se dirige, bref. Allez, on se dirige ici, on prend l'oseille et là on peut payer. Bon, tu commences très mal ton stage, ça je te le dis. Ah, mais oui, tu commences que très c'est bon très mal. Tu commences très très mal ton stage. Tu commences très très mal, ça commence à m'énerver. En tout cas, non mais regarde-moi ça. Non mais t'imagines dans la vraie vie, imagine tu génères autant d'argent. T'imagines chaque seconde, il y a 10 dollars, 12 dollars. Bah, c'est un peu le salaire de Cristiano Ronaldo quoi. Oui, après ça c'est depuis qu'il est au Qatar. Je pense pas qu'il avait ça de base. Tu en vrai, 10 dollars par seconde. Est-ce que Ronaldo il a ça maintenant? Oh, non, pas au Qatar. Oh non, j'ai fait une phrase de raciste. Oh, raciste. Il est en Arabie Saoudite, pardon. Désolé Ronaldo. Bref, allez hop, on prend l'oseille. Bon, tu penses que là, comment on fait de l'argent avec des bagnoles? Comment ça va se passer, tu penses? C'est stylé les bagnoles. Attends, je vais démolir les gagnoles. Attends, je vais. Voilà, hop, voilà. Tu penses que je dois prendre quoi? Des murs ou alors je dois prendre. Rincer les cadres. On va prendre. Je sais pas ce que j'ai pris. On a pris des rinses. C'est quoi des rinses? Oh, c'est un bail de lavage, non? Y'a moyen. Il veut quoi le grassouillé là? Il a bien mangé le grassouillé là. Il a un sacré bidon. Ah, il a un sacré bidon. Dis-lui, sacré bidon. En fait, il faut que tu parles avec les gens. Parce que c'est peut-être notre premier client. En vrai, d'vrai. Oh. Il fait peut-être partie de la classe sociale qui paye des choses. Donc tu sais quoi, je vais l'appeler sacré bidon, monsieur. Sacré bidon, hein. On se demande s'il voit ce qu'il en va. En tout cas, hop là, voilà. 1000 dollars. Hein. Mais frère, j'ai déjà 1000 dollars. Première fois de ma vie que je commence un jeu, on est déjà riche. Je peux déjà me barrer là si j'en ai envie. J'ai même pas besoin de payer dans le jeu. On lave des bagnoles. T'as besoin de tuer la dette quand même. Et comment ça? Après, les laveries de bagnoles, ça coûte quand même cher. Hein. Ah bah évidemment, parce qu'en vrai de vrai, on doit avoir des licences. Laver des bagnoles, je pense, c'est voilà, c'est comme les chirurgiens. Faut faire très attention. Hein. Y a des gens, ils tiennent à leur bagnole. Hein. Tu touches leur bagnole. Tu fais quoi si on raille ta bagnole? Si on raille ma bagnole? Et que tu le vois. Tu vois le mec qui raille ta bagnole avec une clé à molette. Alors que t'as une Clio, tu mets une Clio full option. T'as acheté ta Clio full option, gris titanium. Alors là, je lui montre mes muscles. Non, tu dois pas dire ça. Je peux pas dire ça comme ça, mais bon. Shawen, un mec intelligent envoie ses bras droits. Moi, je prends le petit gros là et je l'envoie au casse-pipe. Le petit gros, il va faire quoi là? On dirait Ronflex. Oh, t'es grossophobe. En fait, vraiment, la grossophobie, elle est banalisée maintenant. Regarde-moi ça. T'es mal à dégaine. Il me dit quelque chose, lui. C'est le mec des pizzas. Il m'avait aidé. C'est lui qui m'avait dit de cliquer. Je me rappelle de lui. Bon, j'espère que c'est bien lui. Et malheureusement, c'est l'un des rares jeux où tu m'as battu. Alors je me suis fait aider quand même. Ça me désole un petit peu. Oh, je te bats tout le temps. Non mais t'es au courant que je gagne 136 dollars par seconde, frère. 136 dollars par seconde. Moi j'en gagne 2, mais c'est déjà pas mal. Mais on a réussi quelque chose de grand, Shawen. On est en train d'avoir notre business model, notre business plan. Oula, il y a un petit rototo qui est parti là. Faut qu'on fasse le tour. Bon. Attends, y a des mecs qui parlent. Je sais pas avec la bagnole. Attends, y a un mec dedans là. On peut conduire? Ah, pas ma voiture. Non, tu vas conduire. C'est pas. C'est pas la mienne, c'est pas la voiture. Ah mais je crois que tu peux l'acheter. Quoi? Non, ça coûte. Clique sur ta voiture et tu vas acheter. Ça coûte combien? 40K. Non mais attends, 40K une bagnole aussi nulle? Abuse. Mais tu vas me dire que tu payes 40 000 euros pour ça? Ah bah, attends, sérieux. Tu sais quoi? Je vais juste venir, je reviens tout de suite, je vais m'acheter une petite bagnole, c'est bon? Mais t'auras jamais 40 000. Tu sais que moi j'ai du mal à faire ça. Mais arrête de mentir. Tu sais que même moi j'ai du mal. Même moi qui a fait des études. Toi t'as un CAP TikTok. Depuis que t'es jeune, ton rêve c'est de percer sur TikTok. Attends, on apprend plein de choses, on apprend à arnaquer les gens, on apprend à faire des télégrammes. C'est pas mal. Ouais, mais ça dure pas. Alors qu'avec les études, tu bâtis quelque chose avec les études. Les études, c'est important. Bon, moi j'ai 2000 dollars, moi je m'en fous moi. Mais comment t'as 2000 dollars déjà? Alors que. Oh, je peux. Oh, mais c'est quel drapeau ça? Alors ça, c'est un pays africain, mais je sais pas lequel. Oh, le raciste. Je dirais le Mali. Mais comment ça le raciste? Qu'est-ce que tu me baragouines? Les mecs, si vous venez de ce pays là, dédicace à vous, mais j'arrive pas à le. En fait, je sais pas. Je crois que c'est pas le Sénégal. En fait, je sais pas. Non, je pense pas que c'est Sénégal. Je crois que Sénégal, il y a un bail au milieu. Mais ferme-la, c'est un drapeau, y a rien de raciste. C'est un pays africain, c'est un pays mais frère, tu vois bleu, blanc, rouge, tu dis que c'est un drapeau français. Et pourtant je vais pas dire oh là là, il est anti-reblochon. Tu dis que c'est un drapeau français, tu dis pas c'est un drapeau européen. Et qui dit Afrique. Et parce, oh, que c'est un Afrique. Et parce que j'arrive pas à connaître le pays. En fait tu veux me boycott. J'ai compris. Tu veux faire des vidéos avec moi, tu veux prendre la fame et après tu veux te barrer. Je capte ton petit jeu. Bah tu sais quoi, je vais prendre des caméras. 3000 si on prend des caméras, voilà. Je vais faire du faciès. Ah oui d'accord, c'est comme ça. C'est comme dans les réformes en fait. C'est comme la réforme de la retraite. Bah oui. Tu fais combien par seconde, Ayed? J'ai actuellement plus de 276 par seconde. Hein. Alors là, ça dépend. 276? Ah ouais, moi j'ai 140. Mais parce que tu n'as pas fait d'études. Tu comprends le but des études? L'argent TikTok, ça change vraiment. Hein. L'argent TikTok, tu vois, c'est court terme. Tu peux gagner 30 000 euros par mois, c'est cool, tu vois. Mais si tu gagnes pas 30 000 euros par mois dans 10 ans, ouais, certes, t'es 30 000. Surtout si tu les as claqués dans des vêtements. 30 000? Non, 30 000, c'est rien. Hein. Alors qu'avec les études, tu gagnes peut-être 3-4 000, mais au moins, c'est long terme.
Écoute, Lighthead, je sais pas ce que tu veux faire croire ça à qui, Lighthead. Tu sais pas lire, tu gagnes plus de 40 millions d'euros par mois, donc je sais pas pourquoi tu parles. Le monteur, tu coupes ça, parce que je vois pas l'objectif de dire ça en fait. Tu cherches quoi là? Dis juste la vérité en fait. Et quoi, y'a un problème? On parle pas d'argent, on parle pas de politique, pas d'argent, et on dit pas que je suis catastrophique. Ah bah c'est sûr qu'on parle pas de politique, hein. Bon, ça va, le 49.3, y'a 90% des Français qui sont pour. Au bout d'un moment, on se met pas dans la mouise à dire qu'il y a un problème, hein. De quoi, la réforme de retraite? Et moi, je suis pour que les gens y bossent. Non mais c'est une blague, ouais, on fait des blagues nous. Ah mais c'est bon, non mais Lighthead, je sais pas t'as combien de par seconde, mais là moi j'ai 250. Mais bah, déjà, je suis meilleur que toi là, actuellement. Bah fais x2 et c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Parce que, oui. Actuellement j'ai 398 et d'un coup je passe à 418. Non mais t'imagines, dans la vraie vie, tu gagnes $500 par seconde. En vrai de vrai, pour combien, enfin sur combien de secondes tu penses que t'es riche? En mode sur combien de secondes t'arrêtes de travailler si tu gagnes du 500 par seconde? Ah. Mais en mode tu dois pas abuser. T'as pas le droit de dire 6 jours et tout, non. Tu dois vraiment en dire en nombre de secondes. Je pense à partir de 5 par seconde j'arrête de bosser. $5 par seconde t'arrêtes de bosser? Même en vrai, bah, de vrai, évidemment, non, mais évidemment. Mais même $1 par seconde, non? Y'a combien de secondes dans une journée? Y'a pas 3600? Ouais, un truc comme ça fait. Ouais, bah bon, oui, non beaucoup, mais. Non mais frérot, c'est même abusé. Même pour 10 centimes par seconde. Non mais wesh, mais en fait, on parle en secondes. Il faut qu'on parle en minutes. Par minute? Y'a quoi de minutes? Non mais attends, je suis bête. 3600 secondes, c'est pas une journée, c'est une heure. Bah oui. Ah ouais, non mais. Non mais là, même Ronaldo, je sais pas s'il a ça. 3600 € par heure? Ah quand même, je pense qu'il les a quand même. Bien sûr qu'il les a, mais il y avait pas de question. Mais est-ce que. En gros, c'est des clochards, les joueurs de foot. J'ai jamais dit ça, moi. Un petit peu. Bon, de toute façon, toi, tu préfères Ronaldo à Messi, toi. Tu préfères Ronaldo, ce qui met du gel. Au bout d'un moment, tes avis, je pense qu'on devrait pas trop les prendre en compte. Tu vois ce que je veux te dire? Après, ouais. Moi, je suis pas raciste. Toi, tu l'es. Donc, à partir de là, je pense que ton avis mais n'a les pas mecs, trop de valeur. Chawen dit que je suis raciste parce que j'aime bien l'Argentine. Parce que j'aime bien Messi. Et du coup, il dit que après, je suis raciste. C'est un peu véridique. Mais c'est pas de ma faute si c'est grâce à Messi que je joue au foot. Ok. Et donc, parce que Messi joue au foot, t'es raciste. Mais je suis pas raciste. T'as une le preuve. Le mec soutient un pays de raciste. Mais le mec, la France a perdu. Il a fait oh sympa, c'est cool. Bon, franchement, est-ce que tu connais l'histoire de la France? Est-ce que tu connais l'histoire de la France? Qui est le plus raciste dans l'histoire du coup? Qui est le plus raciste du coup dans l'histoire? Qui est le plus raciste entre l'Argentine et la France? Moi, je pense c'est kiff kiff. De toute façon, je pense que réellement tout le monde est raciste. Enfin, tous les pays sont racistes. Tous les pays ont des casseroles. Non, mais en vrai de vrai, si on réfléchit vraiment sérieusement. Donc, se jeter la balle, c'est inutile. Oui, mais moi, je suis pour qu'on s'aime tous en fait. Bah, je veux t'aimer, tu veux pas que je t'aime? Je dis que je suis raciste. Lighthead, moi, je vais m'acheter une bagnole. Toi, t'as quoi dans ta vie, toi, par rien? Je vais faire un truc de raciste. J'achète des murs. Hein. Mais c'est pas un truc de raciste, c'est juste un truc normal. Attends, mais comment j'achète une bagnole? T'as acheté où ta bagnole? Non, mais par contre, toi, t'auras jamais 40 000. Hein. T'auras jamais 40 000 de ta vie entière. Hein. Mais bien sûr que si, j'ai 400 par seconde. Mais comment tu peux avoir autant alors que t'as commencé après moi? Non, mais en vrai. T'as combien par seconde toi? Peut-être tu dois avoir plus. 526 toi, mais j'ai que 526. Tu vois, c'est pas non plus énorme. Ah, quand même. Si, t'es pas mal. C'est pas non plus. Si. C'est pas absurde. Frère, t'as commencé 10 ans avant. Après, je vais pas commencer à te diffamer tout de même. Hein. Mais bref, ouais, comment je prends une bagnole? Comment je prends une bagnole? Bah, tu cliques sur la bagnole à gauche et puis t'achètes une bagnole. Ah oui! 40 000! Ouais, mais moi je veux la bagnole à 750 000, moi j'ai pas envie de commencer avec 40 000. En fait, moi je pense investissement, je pense long terme. Je sais très bien que je gagne beaucoup d'argent. Donc à quoi ça sert de prendre une voiture à 40 000? Pourquoi ne pas économiser pour avoir la meilleure bagnole? T'as pensé à ça? Bah, en soi, c'est intelligent, mais en même temps, c'est intelligent. Du coup, je sais pas trop quoi dire. Après, j'ai l'impression que depuis que t'as ta bagnole, t'es jamais venu me voir. En vrai, j'ai même pas ma bagnole. Moi, je suis dans l'investissement là. Actuellement, j'ai 920 par seconde. Quoi? Bah, quoi? Non, en fait, j'ai l'impression que tu me mens depuis tout à l'heure. Mais tu veux venir chez moi, tu vas voir. Mais t'es où en fait? Je peux t'accueillir les bras ouverts. Hein. Mais je pense réellement. Tu mens. En fait, tu dis ça parce que tu gagnes très très bien et là tu fais le mec. Non, parce que non, non, c'est impossible. En fait, vraiment, c'est impossible que tu gagnes autant. Je pense qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu mens. Même quand tu faisais 400, la vie de ma mère, t'étais pas à 400. Quoi? Ah non, mais j'assume. Donc là, t'as 900 là. Là, je suis à 1000. Arrête de mentir. Mais je mens pas. Mais viens chez nous. Et t'es accueilli comme t'es. C'est comme McDonald's. Comment ça chez nous? En train de bosser avec des mecs? Bah oui, je suis avec le gros lard. Non, mais wesh, arrête. Ah, mais me dis pas que c'est pas ta base. Bah, tu sais quoi, je paye. Mais moi, je paye au bout d'un moment. Si tu me bats. Mais pourquoi tu payes? Mais viens me voir. Mais rends-moi visite un peu. Mais je dois acheter une bagnole pour 30 visites. Mais tu vas acheter la bagnole. Mais je vais acheter la bagnole. Mais tu vas pas payer dans le jeu. Tu vas pas mettre des Robux. Bon, j'ai beau avoir un cerveau de temps en temps qui est pas très très alimenté. Je vais pas. Non, mais super. Les mecs qui viennent me voir, ils font des accidents dans ma laverie. Allez, je peux acheter une bagnole. Oh. Ok, achetez la bagnole. Et voilà, j'ai ma bagnole. Il est bagnole. Bon, bah, bref, t'es vers où toi? Mais j'arrive pas à conduire. Vers le fond. Oh non, me dis pas que j'ai mis la bagnole. Ok, comment ça vers le fond? Vas-y, j'arrive. Après, moi j'ai quand même un bac pro conduite. Hein. Moi j'ai la SSA 1, 2 et voilà. Vers la droite, mon copain. On n'est pas copains déjà. Mais comment ça, vers la droite? Mais je vois ta voiture rouge marcher. C'est vers la droite. Non, mais attends, mais je suis le code de la route. Je le suis. Enfin, je le suis. Ah oui. T'as compris quoi? T'es un mec RP toi. Ah, t'es là-bas. Donc vraiment, si je vois que ta base n'est pas plus grande que la mienne au bout d'un moment, et pourquoi je gagne de l'argent alors que je récolte pas d'argent? Ah bah ça, c'est une bonne question. Comment t'es un menteur? Quoi? C'est ta base ça? Mais t'es sûr que. Mais évidemment que c'est ma base. Laissez-moi rentrer. C'est vraiment ta. Mais elle est pas plus grande que la mienne. Ah mais
J'ai jamais dit qu'elle était plus grande. J'ai dit que je gagnais 1200 par 1300 par seconde maintenant. Mais arrête de mentir, je suis la vie de ta mère. Mais la vie de ma mère. Mais comment ça se fait? Arrête, tu peux m'aider à. Bagnole est bloquée là. Oh, ma bagnole est bloquée. Mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Bah, bagnole elle est bloquée. Mais tu gagnes vraiment 1300? Mais regarde l'argent qui monte. Mais y'a moyen en plus à le chien de la case, va. Comment t'as fait? Mais les hommes mentent, mais pas les chiffres. Mais comment t'as fait? Réellement, comment t'as fait? Mais juste, j'investis dans l'immobilier, c'est comme ça. Mais quand c'est que j'ai vu une voiture VIP? Pourquoi je suis redescendu à 666 là? On est où? J'ai compris, t'avais le x2, sale chien. Donc en fait, t'as que 600 en fait. Mais attends, mais tu l'as pris où le x2? Mais j'avais aucune idée. Alors là, vraiment, ça c'est vraiment un truc, j'en ai aucune idée. Je vois juste x2 événement d'argent. Pas compris. Mais t'as payé? Oh les mecs, on est d'accord que les mecs que Shawen, ils viennent payer là. Et non. Un petit peu quand même. Mais non, vraiment pas, mais j'ai pas de Robux. Mais je te l'accorde, je te l'accorde. Tu n'as pas de Robux, t'es pauvre. Mais je trouve ça très bizarre. Quand c'est que t'avais autant bizarre, t'es juste jaloux, t'es juste dans la jalousie. Mais jaloux de quoi? Au final, t'as combien par seconde maintenant là? Écoute, moi j'ai bâti mon empire, toi t'as bâti combien par seconde? T'as combien par seconde maintenant? Et je pense t'as toujours plus que moi. J'en ai 762. Voilà, moi j'ai 680 alors que t'as commencé après moi. Donc tu m'expliques? Bah si tu veux, on peut s'expliquer tous les deux. Ça ira, ça ira, ça ira. Comme il dit Gazo, le sexe c'est non. C'est profond ce qu'il dit, hein. C'est très profond, hein. C'est calculé. Est-ce que tu penses Gazo, tous ces sons c'est des freestyles? Parce qu'en fait je vois pas Gazo écrire. Attends, t'es quand même au courant que les écrivains de 2023 c'est des Gazo tout ça. Les gens qui sont français. Je crois pas que les écrivains. Tu parles de Gazo alors qu'on a Kélian. À partir de là, je pense que bon, t'es un petit peu matrixé. Moi je peux acheter un employé. Ah oui, je viens de l'acheter moi. Je vais faire bosser des gens, tu te rends compte? Je vais servir à la France. Bah si, parce que avec les charges patronales, tu payes deux fois. Tu veux donner un salaire de 2000, tu dois payer 4000. Donc bon, il est rentable. En plus, moi, il est blond. Donc ça fait moi qui a pas de cheveux et un blond. C'est cool. Il s'appelle Games Production, l'endroit où je suis. C'est pas trop dans le thème des voitures. Est-ce que tu peux me rendre visite, par pitié? Me rendre visite. Bah, franchement, je pense que je peux, mais je sais pas comment on sort la bagnole. Il te faut 40 000. Bah, j'ai payé les 40 000, mais après, faut que je fasse quoi? Bah, tu vas dans le bagnole, tu la sors. Ah oui, spawn. Non, mais vraiment, à des moments, je me demande vraiment ce qui se passe. Des fois, en fait, je me dis que t'es pas si intelligent que ça. Bah, écoute, j'arrive en bagnole, tranquillement, une petite bagnole à 40 000. Et t'as combien par seconde? T'as combien par seconde? 800. Non, mais 800 combien? C'est bien de dire 800, mais j'ai l'impression que tu me mens là. 800 par seconde. 800 piles. Bah 790. Ah. Après j'ai arrêté de jouer pour te rendre visite. À partir de là je pense que bon. J'ai fait quoi moi tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai acheté ma bagnole. Mais t'étais déjà pauvre toi. Et voilà ça le truc. J'ai carrément acheté ma bagnole au moment où j'étais pauvre. Ça veut dire que je me suis vraiment endetté. Je me suis endetté et entêté en fait. Par contre tu sais que c'est important de suivre le code de la route hein, parce que sinon tu dégages la route hein. Ah bah j'ai voulu aller chez toi mais c'était tellement mal agencé parce que tu penses qu'à l'oseille que au final j'ai dû abandonner ma bagnole. Ma bagnole est encore chez toi. Tu te rends compte? Je suis carrément revenu à pied. Je pense vraiment que je vais t'amener les huissiers. Non, c'est juste à cause de toi. C'est juste parce que t'es un tard débile. Donc t'insinues que je sais pas conduire. Et c'est même pire que tu sais pas conduire en fait. Tu es catastrophique. Bon, qui le dit que t'es dans l'illégal et que tu conduis des scooters sans permis? Mais tu me parles de scooter alors que je conduis une voiture, c'est mieux. Non, mais dans la vraie vie, là, je parle dans la vraie vie. Là, j'ai envie de t'éteindre. Tu veux m'éteindre de quoi? Moi, les scooters, je les vole, je les brûle. Ah, c'est toi là? Je suis un gangster, moi. Waouh, gangster. Est-ce que c'est toi? Ce qui arrive? Oui, bonjour monsieur. J'aimerais bien nettoyer ma voiture. Regarde, tes matchs gagnent combien? Est-ce que ça t'impressionne un tout petit peu? Ouais, franchement, t'as 800 et tout, c'est vraiment pas mal. Donc ça veut dire que j'ai plus que toi maintenant, vu que t'es venu. Bah franchement, force à toi, c'est vraiment stylé. Donc ça veut dire que d'après un théorème, tu ne peux plus me dépasser. Bah, actuellement, non, compliqué. En fait, toi, j'ai l'impression que tu viens jamais seul. En fait, je suis sûr et certain que t'as monté un business avec un autre mec, avec le mec un petit peu en forme. Mais quel business? Si on peut même pas faire d'échange. Oui, mais peut-être qu'il t'aide. Peut-être qu'il a des bagnoles. Oh, mais est-ce que tu penses que si un joueur rentre sa voiture, ça me donne de l'argent en plus? Je sais pas, mais je sais que ma bagnole vient de se faire enfermer à cause de toi. Donc là, t'es bloqué, là, tu vas devoir rentrer à pied, c'est ça? Totalement. J'ai bien l'impression. Après, bon, on passe tous par là, Shawen. C'est un cap dans la vie. C'est comme le cap d'Ag. Au début, t'as du mal, et quand tout le monde le fait, personne te juge, tu vas à 100%, quoi. Oui, bon, cette histoire est un petit peu trop personnelle, Lionel. J'ai l'impression que t'en as gros sur la patate. J'habite pas au cap d'Ag, donc ça, c'est non, comme dirait Squeezie. C'est non. Ah non, justement, tu fais 10 heures de route tous les jours pour y aller, quoi. Donc à partir alors, de là, bon. Je me sens libre, moi. Je suis libre. Oui, bon, je connais des gens libres, et bon, au final, bon bref, Shawen. T'es plus heureux, quoi. T'as combien de dollars, là? 4000. Bah voilà, je suis plus riche. Il faut qu'on fasse un battle pour quitter la vidéo. Il faut qu'on fasse un battle. Bah vas-y, celui qui a la plus belle bagnole. Bah arrête, t'as économisé pendant des années quand tu vas rentrer à ta base. Mais pas du tout, t'as combien de dollars toi? Mais j'ai 20 000. J'ai assez pour une Clio gris titanium, Clio 5 full option là. Ah, que toi, je suis sûr que tu rentres à ta base. Ouf, hein. Mais la vie de ma mère, que t'as au moins 100 000 balles. Bah oui, j'ai 250 000 balles, c'est différent. Bah après, moi je les ai sur Roblox, toi tu les as dans la vraie vie. Bref, on monte nos voitures, parce que bon, on va dans des choses personnelles. Bah écoute, franchement, moi j'ai 2000 par seconde, c'est pas mal. Quoi? Je vois la vie de ta mère? La tête de ma mère, c'est vrai. Comment ça se fait que tu viens chez toi, tu t'absentes, tu fais de l'absentéisme et tu gagnes plus que moi? C'est pas de l'absentéisme, je suis pas absent. Non mais vraiment, par contre, honnêtement, ce jeu est cassé, on est d'accord. Mais c'est toi qui es cassé. Bon les mecs, je crois vraiment que le jeu ne veut pas que je sois là, donc vous savez quoi, vous ne joignez pas le jeu et les mecs on se quitte sur ça, ciao les mecs. C'est Lined et Shawen, tu t'abonnes et tu likes, donc partage à tous tes potes, ou bien même à ta daronne. C'est Lined et Shawen. C'est
c'est Line et des chouettes. Tu t'abonnes et tu likes, sinon je te mets une steak.